Le chef, il arrive là. Nous vous invitons à venir avec nous partager les moments de l'amitié de votre gouvernement au son de la musique. Voilà, merci et puis on se retrouve tout à l'heure. Encore une fois, merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end et découvrez aussi notre territoire pour rencontrer des gens de différents départements de France. Merci. Et là, les premiers problèmes, ça y est, arrivent. Tout simplement, eh bien, c'est que la catapulte ne s'est lancée qu'à 230 à l'heure. Si vous lancez un avion à 230 à l'heure, alors qu'il est fait pour voler à 280, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait piouf. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu d'avion 250. Il en manque combien? 30. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer le navire à 30 km. Et c'est seulement l'avion. Vous voyez l'avion qui va monter. Et puis d'un seul coup, l'avion va descendre, 5 mètres plus bas que le niveau du pont. Et quand il est prêt à toucher l'eau, en principe, il a pris ses esprits, il met sa pause combustion et il s'en va. Je dis bien en principe. Parce qu'il y a des moments, ça fait piouf. Hein? Ça commence à refroidir quelques-uns. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Attention, l'anticoeur, le projecteur de sol, ça y est, il est prêt. En principe, il est prêt. Ça y est. On envoie, il commence à tourner, tout est parti. Vous voyez, le train vient de descendre, vient de se renfermer. Il va continuer comme ça. Pedro est parti avec le maximum de carburant. Si on récupérait un pilote lors du premier catapultage, il serait obligé de vidanger sur un réservoir. Alors, je vais donc pour catapulter un avion. Je vais demander à lever un avion ici. Je vais l'ascenseur pour appuyer l'avertisseur. Je suis en train de lever, les barrières vont s'escamoter, le pilote va demander l'autorisation de mettre son moteur en route, il a dû allumer un feu vert. Vert qu'il est ? Là ? Ben oui, non, c'est ici là. Le pilote normalement est bien pris, je vous ai dit que j'avais accroché avec le haut-back. Ouais.
il met les mains ceci, et là, en principe, je dis bien en principe, il est sur un avion, vous mettez les deux doigts comme ça, et sans bouger la tête. Le cadre, bien, parce que s'il n'est pas bien calé, et bien donc automatiquement il va avoir le coup de la main, donc il faut vraiment qu'il soit bien calé, parce que cette accélération-là, quand il va avoir fait le tiers du parcours, par l'accélération, ses yeux se sont bloqués, il ne peut plus bouger. Le générateur de vapeur est en route. S'il y a de la vapeur, hein. Oui. Là, ici, je sens l'air, mais la vapeur, il n'y a peut-être plus d'autant. Bon. Ça, c'est ça. Il y a tellement de choses à vérifier. C'est une machine à vapeur ? Ah oui. La Pepsi. Ah ouais ? Ah ouais. C'est pas la vapeur, c'est une machine anglaise. Allez, on y va. Vous êtes prêts ? Oui. Gardez bien la tête contre votre fauteuil, parce que si vous avez le malheur d'avancer votre tête, c'est le coup du lapin, quick ! Oh là là, le bonhomme n'hésitait plus. Ouais, tu m'étonnes, 5G d'un coup. Le bonhomme n'hésitait plus. On n'a plus de yeux. Alors, je baisse mon nom. Je baisse et on est parti. Ah. On est parti. Oui, c'est tout bon. Vous voyez là-bas, elle descend, comme ça, là, elle va correspondre à la hauteur des yeux de l'avion concerné. Il s'est passé hier. Il est passé au-dessus de notre tête, moi je le vois là, il arrive là. Vous allez voir arriver, hein. Bon, il faut avoir de bons yeux, hein. Et vous allez voir, il va venir jusqu'ici. Voilà. Regardez, je viens de lui mettre les moteurs. Ils sont mis. C'est fait. Il est trop... Alors j'espère que vous avez appris quelque chose. Hein, vous cherchez un numéro. J'avais fait 12-300 tracteurs, c'est tout, mais pour la SNCF, pour fuser les wagons. Mmh.
quand je suis au moins un quart, le blanc. Ah, mais la cacao, même moi. Comment vous faites ça? Regardez, je vais faire pareil, mais j'ai trouvé une piste et je vais le faire en face de freinage. Vous voyez, de façon à être un petit peu. C'est vrai que à travailler quand c'est un petit peu plus gros. Puis j'ai la chance d'avoir une imprimante. Donc au lieu d'imprimer en A4, j'imprime en A3, donc il y a une entière. Maintenant, faire sa maquette, c'est bien. Quand on l'a fait, je me sens sur plein de... Non, je connais pas. Non, thermostat.
avec bien la main. Il était venu déjà il y a 2 ans. Hein. C'était à l'époque bourré, capacité théorique 3000 places, 3342 personnes assises sur les places. C'est ce qu'on appelle une bourrée. C'est ce qu'on appelait les salons. Il y a 15 ans, c'était toujours un salon. Et ça, ce sont des salons. Où j'ai lavé les tomates dans la maison des carreaux. Et après, récupérez la cendre, vous faites la lessive, vous lavez les carreaux et vous renvoyez à l'expulsion. Moi, j'ai vu les grands-mères laver avec la planche. Oui, la planche à laver, avec le cabas, avec l'abattoir. Eh bien, oui, mais au lavoir. Sans dirigeant de 80 ans, c'est pas comme ça. Très changement d'expérience. Ça va. Eh ben, oui. Fendu et qui pissait debout, hein. Oui. Voilà, c'était dégueulasse. Ah, oh, c'était. Ben oui. Mais moi, j'ai jamais vu non plus, hein. Ça c'est le moteur de propulsion, le cerveau de direction, et ensuite vous avez, on voit pas bien, mais vous avez toute l'électronique qui est planquée là-dessus. Mais vous avez des connaissances, hein. Oui, oui, électronique, informatique, un tout petit peu de mécanique. C'est ce qu'on appelle un bac à doigts, en fait il n'y a pas d'électrode qui est en marche, mais c'est la traction. Alors la chaîne ne bouge pas, c'est la traction sur la chaîne qui le fait avancer. Donc dedans vous avez le bout en pointe, et dedans vous pouvez prendre le rayon de la chaîne. Et d'ailleurs de temps en temps, il y a des parce qu'il faut que... Et voilà, c'est ça. Parce qu'en fait dans la réalité, la chaîne est beaucoup plus lourde, donc elle tombe naturellement. Donc moi je suis obligé de créer la traction. C'est pour ça qu'il y a des bouts en marche. Thank you.
adapter correctement au véhicule. C'est long à faire, certainement. Hein. Puis après, ben, je mets le cadre. Oh,
Слышишь песню над него?